Alors bonjour, bienvenue donc pour cette séance dédiée aux journées portes ouvertes. Alors en virtuel, on n'arrête pas le progrès. Pour ce qui concerne la licence LLCER, donc langue, littérature, civilisation étrangère et régionale, le R, ça indique langue régionale ici, pour l'anglais. Donc je vais présenter globalement la licence, notamment la première année, les attendus, les objectifs, et ensuite nous aurons un temps d'échange. Donc, quelles sont les spécificités lorsque l'on devient étudiante à l'université? Alors déjà, une première chose, c'est un calendrier qui est organisé sur 2 semestres, avec à chaque fois des matières à valider que vous retrouvez d'un semestre à l'autre, que ce soit en traduction, en grammaire, en linguistique, mais aussi en littérature, en civilisation. Le seul changement d'un semestre à l'autre va être un basculement, par exemple, de l'ère britannique, littérature et civilisation britannique, vers l'ère américaine. À chaque fin de semestre, vous avez, enfin, tout au long du semestre, vous avez des évaluations en contrôle continu qui sont ensuite suivies de partiels. C'est un peu moins vrai en première année, les partiels interviennent plutôt en deuxième et troisième année. Les cours sont dispensés de 2 manières, en cours magistraux, c'est-à-dire en promotion entière. Et c'est complété par des travaux dirigés en groupe. Donc, vous gardez votre groupe au long de la semaine pour les différentes matières que vous suivez. Donc, il y a cette association cours magistraux et travaux dirigés qui est importante. Vous devez fournir en tant qu'étudiant un travail personnel régulier et conséquent. On estime qu'une heure de cours en TD, par exemple, équivaut à 1 heure de travail personnel en amont. Et donc, il faut acquérir cette discipline de travail. C'est important pour ne pas perdre pied, pour rester, se maintenir tout au long du semestre. Votre travail est souvent accompagné par des contenus que vos enseignants déposent sur une plateforme que l'on appelle eCampus, où sont disponibles des outils pédagogiques. Donc, c'est aussi un outil que nous utilisons beaucoup et qui accompagne votre travail. Enfin, la licence, c'est l'occasion pour vous d'acquérir un socle de connaissances spécifique ici en anglistique. La formation, qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver? Alors, vous allez travailler l'anglais en anglais, un peu aussi en français, mais donc les enseignements que vous pourrez retrouver sont par exemple la grammaire, la linguistique, la pratique orale avec des lecteurs, ce sont des personnes natives qui sont des étudiants qui voilà, qui vous font parler. Vous aurez de la traduction, mais aussi des cours de littérature et de civilisation, comme je le disais, sphère britannique et sphère américaine. Les aires culturelles, je viens de le dire, concernent la Grande-Bretagne, les États-Unis, également les pays du Commonwealth, Afrique du Sud, par exemple, Canada, Australie. Et nous étudions des œuvres et des questions historiques qui vont du XVIIIe siècle au XXIe siècle, donc le très contemporain. À ces enseignements de tronc commun s'ajoute au choix une discipline d'ouverture qui s'appelle actuellement la mineure. Et nous vous proposons au choix, dans la limite des places offertes par nos collègues des autres départements, donc des enseignements en histoire, en lettres modernes, en espagnol, en portugais, russe, arabe et sciences du langage. Pour ce qui concerne le russe et l'arabe, des cours d'introduction à la langue sont proposés. Ce n'est pas le cas pour l'espagnol et le portugais, qui sont plutôt des cours sur la culture de ces aires culturelles. Voici à quoi ressemble les 2 semestres dans les contenus de cours. Donc, vous retrouvez ce que je vous ai indiqué. À quoi s'ajoute aussi quelque chose qui s'appelle le projet personnel étudiant, les compétences numériques,
Ce sont des unités d'enseignement qui ne sont pas enseignées par vos enseignants du département d'anglais. Voilà. Et vous avez le guide de l'étudiant qui vous guide pas à pas. Je pourrais vous le donner dans la boîte de discussion. Alors, les objectifs, qu'est-ce que vous allez pouvoir développer comme compétences dans cette licence? Eh bien, donc déjà, vous allez acquérir des connaissances approfondies en anglais, dans la langue, mais aussi dans tout ce qui sont, c'est-à-dire la découverte de la littérature des pays du monde anglophone, de leur histoire, de leur spécificité culturelle. Vous allez développer des compétences de réflexion, d'analyse critique, d'expression écrite et orale. Vous allez devenir à même de développer des analyses poussées, une réflexion personnelle en anglais. Alors, ça va s'appliquer à l'analyse de discours, par exemple, l'analyse littéraire, mais aussi à l'analyse de l'image, de documents iconographiques, des médias, qui vont vous amener à une connaissance plus fine des codes et des références culturelles. Quels sont pour vous les débouchés imaginables après la licence? Beaucoup de nos étudiants poursuivent en master, que ce soit un master spécifiquement en études anglophones ou bien un master d'enseignement, qu'on appelle le master MEF, mais peuvent aussi se diriger vers des masters études culturelles ou études sur le genre, par exemple. Il en existe beaucoup d'autres à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous pouvez aussi vous diriger vers les concours de la fonction publique. Beaucoup s'orientent vers le CAPES, pour l'enseignement dans le secondaire, ou l'agrégation, mais pas seulement. Et il est bon de savoir que voilà, l'anglais est une base solide pour ensuite compléter cette formation par d'autres formations, en traduction plus spécifique, dans l'édition, dans le journalisme. Votre licence d'anglais ne va pas faire de vous des journalistes, par exemple. Donc, il faut ensuite certainement prolonger ou coupler cela avec d'autres types de formations. Alors, juste un mot sur les circonstances actuelles donc de l'enseignement en distanciel, puisque bon, on espère que pour votre rentrée de septembre, tout sera revenu dans l'ordre et nous faisons tout pour que cela soit possible. Mais juste pour vous expliquer comment ça se passe en ce moment, donc l'université est en fait l'accès est limité. Donc nous continuons d'assurer des cours en distanciel sur l'application Zoom et aussi en mettant à profit la plateforme e-campus. Nous avons pu accueillir en septembre et octobre, avant le deuxième confinement, l'accueil des étudiants en demi-groupe. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas autorisés à le faire. Et en ce qui concerne les examens, ils ont été adaptés cette année pour des évaluations en ligne. Je voudrais citer juste quelques membres du département qui ont des responsabilités un peu particulières, tels que Jean-Paul Gabillier, qui est directeur du département d'anglais. La responsable de la licence, c'est-à-dire les 3 années de la licence, c'est Madame Stéphanie Ravez. Chacun d'entre nous est aussi enseignant, enseignant-chercheur. Nous produisons aussi une recherche que nous utilisons, enfin, que nous exploitons aussi dans nos enseignements. Moi-même, donc responsable première année, directrice des études. Voilà, notre collègue Rémi Duty est lui responsable de la formation à distance, dont je vais vous dire un mot. Et enfin, Laetitia Torgman, qui n'est pas enseignante, mais qui est un peu notre cheville ouvrière, qui est dans l'administration, dans tout ce qui est scolarité. Voilà, une personne essentielle. Je voulais dire un mot sur la mobilité internationale, parce que l'un des atouts de la formation en anglais, c'est la possibilité de partir en mobilité, ce que l'on appelle communément Erasmus. Donc, vous pouvez partir pour 1 à 2 semestres, et donc plutôt vers la 3e année. Nous avons plusieurs destinations à proposer, que ce soit dans des pays anglophones,
mais aussi dans des pays européens non anglophones, mais vous allez suivre dans ces pays-là, dans ces destinations, un cursus d'anglais qui finalement sera équivalent à ce que vous avez ici à Bordeaux. Au-delà de l'Europe, nous avons aussi des échanges possibles avec, par exemple, la Californie ou le Canada. Donc c'est un projet qui se mûrit, vous pouvez y penser assez vite, vous renseigner et monter votre projet qui demandera certaines pièces, bien sûr, que enfin, voilà, on vous aiguillera le moment venu, sachant que Monsieur Antoine Hertley, qui était également enseignant au département d'anglais, est le référent au pôle des relations internationales. C'est la personne ressource sur ces questions. Je poursuis avec quelques mots sur la formation. Donc, ça, c'est pour des étudiants qui n'ont pas la possibilité, qui ne souhaitent pas venir en présentiel et qui donc s'inscrivent à la formation à distance. C'est une formation payante qui recouvre ce que font les étudiants en présentiel mais qui ont peut-être un accompagnement plus spécifique. Donc, voilà, je vous ai mis le nom de Rémi Dutty qui est responsable de cela. Alors, voilà. Donc, un régime spécial, ça, je voulais faire une petite note là-dessus, la dispense d'assiduité. C'est-à-dire que si vous avez un emploi étudiant, vous pouvez le faire valoir, enfin, c'est-à-dire nous le signaler, et donc vous ne serez pas tenu à suivre les cours en présentiel. Donc ça, c'est sur condition d'éligibilité. Vous devez fournir un justificatif, un contrat de travail, attestant le fait que vous êtes en emploi et vous ne pouvez pas venir en cours. Et cela signifie que que votre évaluation se fait en contrôle terminal au moment des partiels et non en contrôle continu. Voilà, donc c'est une possibilité qui existe. Il faut le faire savoir assez vite à la rentrée ou bien en cours de semestre, enfin, pardon, d'un semestre sur l'autre. Votre situation peut changer et vous pouvez basculer à un régime non assidu entre le S1 et le S2. J'en termine avec l'aspect plus social, plus convivial peut-être. Il existe de nombreuses associations et structures sur le campus et je souligne en premier l'English Club qui est une association étudiante animée par des étudiantes, vraiment gérée par eux, qui propose des activités culturelles mais aussi des voyages, des représentations de théâtre en anglais. Donc c'est vraiment un espace qui est fait pour vous et qui est aussi un endroit où vous êtes invité à ne parler qu'en anglais, dans la salle qui est dédiée, qui est un lieu convivial. Vous pouvez faire du sport, toutes sortes d'activités sportives et physiques sont proposées, des sorties par le département spécifique le DAPS. Vous pouvez poursuivre, vous commencez une activité artistique et culturelle. La maison des étudiants, c'est un espace qui est fait pour vous. Avec un espace d'exposition, un petit amphi qui peut recevoir des événements spécifiques. Et puis, je voulais finalement, enfin souligner l'existence du Centre de langue Bordeaux-Montaigne qui propose, qui vous permet soit de poursuivre une autre langue vivante ou d'en commencer une. Il y a 24 langues qui sont proposées. Vous pouvez commencer du niveau débutant, mais aller jusqu'au niveau C1, faire valoir cela par une certification. Et donc, ce sera plutôt des cours du soir, et sachez que cela s'ajoute à votre formation. C'est entièrement de votre initiative. Voilà, donc je vais arrêter là pour ma présentation générale, et donc je vous remercie.